Lors de son séjour à Mundu, chef lieu de la province d'Ilorgon occidental, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Pressi Longo, a été honorée par le bureau Bamina Assas en mission à Mundu et l'association des filles Zahawa. Le bureau Bamina Assas et l'association des filles Zahawa, résidant à Mundu, ont offert des cadeaux symboliques à la ministre de la Femme Amina Pressi Longo pour ses efforts consentis dans la lutte contre la mutilation génitale, les mariages précoces et les violences basées sur le genre. Cette grandiose cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Ahmad Mahamat Taha Abdoulaye. Très satisfait de cet acte de reconnaissance à sa personne, la ministre promet apporter son soutien aux femmes, aux jeunes, pour l'atteinte de leurs objectifs. Ensuite, le bureau Bamina Assas, par la voix de son président Brahim Khalifa, a remis des enveloppes à l'association des jeunes de Mundu, au bureau blanc et au bureau d'Oulbarit. Ces gestes baministes aux jeunes traduisent l'effort consenti par ces derniers dans la province du Logone occidental. Les différents intervenants demandent à la population de Mundu à cultiver davantage la paix, la cohabitation pacifique, les vivre ensemble, car d'après eux, le Tchad est indivisible.